Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 2 de The Descendant. Donc c'est le jeu, vous pouvez le retrouver sur le Let's Play exclusivement sur la chaîne YouTube, dans le sens où il y a du narratif et comme je vous l'ai dit sur Twitch en live, un jeu narratif c'est très compliqué avec un chat de le gérer. Donc il est exclusif pour YouTube, donc ceux de Twitch. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a des jeux, sinon vous les raterez. Donc dans l'épisode 1, ce qu'on a vu, c'est que donc suite à une catastrophe, avait été mis en cryogénie les survivants humains, les plus, on va dire, les plus haut de gamme, façon de parler, les plus haut de gamme pour survivre donc et une fois la catastrophe passée, pouvoir refaire l'humanité en fait. Donc ils avaient été placés en cryogénisation, ce coup-ci j'arrive à le dire, et pour une certaine durée d'années, et jusqu'à qu'en fait les choses s'arrangent un petit peu. Et donc on s'est retrouvé avec deux personnages, donc de nos jours, qui sont là pour ouvrir les arches où sont les survivants et les sortir du mode cryogénisation. Et on se trouve aussi, comme vous pouvez le retrouver dans l'épisode 1 sur le Let's Play sur la chaîne, on fait aussi un reback dans le passé pour ça, pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc pour résumer, voilà, ben, dans le premier épisode, selon les actions qu'on fait, si on fait de mauvaises actions, les machines qui gèrent tout ça et les hauts gradés au-dessus de nous, décide que parce qu'on a mal fait ça, selon le nombre d'actions qu'on a mal faites, ils éliminent, ils tuent automatiquement les survivants cryogénisés. Donc, dans le premier épisode, ben, on en a perdu 10 parce qu'il y a 3 actions que j'ai mal faites. Et notre but, évidemment, ben, c'est d'essayer de les sauver tous, mais là, on est mal barré. L'autre chose qu'il y a de cette histoire, c'est qu'ils ont été placés dans différentes arches en protection et qu'il y a un problème avec l'arche numéro 1 qui ne s'est pas ouverte. Donc nos personnages immédiats, c'est dans le temps réel, sont là pour aller dans cette arche pour voir pourquoi elle ne s'est pas ouverte et délivrer donc et sortir la cryogénisation les survivants. Mais aussi, on se retrouve avec ceux qui étaient là pour les surveiller et pourquoi tout est parti en tambouille. Donc, on va passer à l'épisode 2 et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Encore faudrait-il que je puisse. Allez à l'épisode 2. C'est parti! Previously on the Descendant. Alors, précédemment. When the world recovered from the apocalypse, all the arcs reopened, except one. Into the Citadel. It was meant to be easy. Find the Ark's generals, have them wake up the descendants, then get the hell out of Dodge. If only it was that simple. I'm Silas, a janitor. Same as you. I'm a physician, so it's my duty to keep the descendants alive and well. I'm Mia, but you already knew that. I guess your job then will be looking after the Ark itself. It's a big responsibility. Mia? What do we do? No! Donnie, what we need to know right fucking now! Donnie, you're empty. It's how those descendants ended up dead! I was just getting to that. Ok, donc là, c'est tout ce qui s'est passé dans l'épisode 1, à peu près résumé. On est parti pour la suite.
En espérant pas faire trop de boulettes quand même. You think I know better? Years of my life taken by the ARC program. Taken? Your life was spared by the ARC program, you ungrateful piece of shit! For what? For this? To help create your new world? I should have just died along with everyone else. You'll get your chance, Freeman. I never wanted to be part of this. Don't you get it? You all lied to me, to the whole goddamn world. It doesn't matter now, and you know that. You need to tell me everything that happened in ARC-01 if we're to have any chance of survival. You found the janitors were missing. And we found out the descendants in there were probably dead already. Losing your filtration tower is one thing, but ARC-01 only had two janitors. And for it to be those two, well, it can't be pretty when they found out. Okay. Oh, shit. Mia, what do we do? Alors là, on est revenu avec ce qui s'est passé dans le passé. Hein. If the filtration tower has failed, then time is the one thing we don't have. How do we fix it? Can we restart the filtration system from here? I don't know. I've never had to try. Shouldn't you know this? Right. It's here. In the event of a system failure, the filtration system must be manually restarted. Okay. So that must mean getting to the filtration tower, right? Hang on. I'll try to see what our oxygen levels are looking like. See if you can find a schematic of the facility. Try the lockers. They're all locked. Where's the key? I'm not sure. I must have left it somewhere in here. Nothing here. No. Jesus Christ! It was literally next to you! Sorry, a little busy here. Asshole. Who needs to lock stuff away down here anyway? So, we're here, Janice's quarters. What's this? There's a communications room. Well, that'll only work when the surface is safe. And what's this classified area? Why would some parts of the facility be classified? I don't know, and I guess that's kind of the point. Can you just focus, please? Yeah. That's the filtration tower, so it's through there, that L-shaped corridor. That's through that door. You need to get going. Now. Me? What? You're staying here? Again? I don't think so. You can't... What's happening? Silas? What the... Is that from a hazmat suit? You tell me what the hell is going on right now! Put this on, and I'll tell you. What? Put the goddamn suit on! You crazy bastard! Fine, if that's what it takes! We'll set off the alarm!
The alarm is sounding because I shut down the facility's ventilation system. What? Let me finish. That means our last safe oxygen is being directed to this room, the filtration tower, and the descendants only. Why would you do that? Because then this Ark has a chance. You need to get to the filtration tower right now. And if I don't make it back, you're... what? You're just gonna climb into a cryo tank? I'm the only one who knows how to look after the descendants. Come here, quickly. Oh, shit. Do you think I can even make it to the tower? How long have I got? You have to go now. I can't. Silas, I can't do this. There's no other way. There is no time. It's a suicide mission. Then you better make it count. Goodbye, Silas. Donc on va devoir aller à la tour. How? Donc on revient aujourd'hui. Then where the hell are the Janus? I guess they didn't make it. This changes nothing. How can you say that? Those Janus were our key to rescuing the descendants trapped in here. We don't know anything about this goddamn Ark. Either way, it's on us now. You did good, you know, thinking on your feet like that. I'm glad I picked you for the mission, Donnie. Still, you know that keeping the tanks closed would have done those guys no good, right? I mean, what? We were just gonna hold... Now's not the time to be a wise ass. Anyway, we got a job to do. You've got a good head on you. What do you think our next move should be? We need to find the descendants, wake them up, and get them out of here. If they're still alive. Don't you dare say that. We've come too far to give up hope now. With all due respect, if the Janus didn't make it, then what hope is there? We have to try. It can't all be for nothing. How do we find out if the descendants made it? That's the thing. With so many of the Ark systems powered down, there's no way to know. Shit. So we have to restore power, right? Right. That should let us check on the descendants and give us access to the whole facility. Then we can get the descendants out? Not until we flush the ventilation system. There could be all kinds of airborne shit ready to kill us down here. Restore the power. Blast clean O2 through the facility. Save the world. Something like that, yeah. So where are the power generators? I'll let you know as soon as I find the schematic for the Ark. Alors, on est aujourd'hui... Département national de sécurité, maintenance, Silas. Donc celui qu'on a vu, qui a envoyé dans le passé la jeune femme là pour aller dans le truc de ventilation. Silas, et elle, on la voit pas marquée, on voit pas son nom, il y a un nom qui a été rayé. Est-ce que c'est elle? Mystère et boule de gomme. Ensuite on a... You checking up on me, Randall? A little due diligence never hurt. That true. What you did to that other... He got what he deserved. Donc là, c'est sur nous, une feuille de renseignement. Adepte des technologies. Physiquement. Champion de boxe. Après, sujet fin... Ok. It's hard to believe Alaska was covered with snow once. Département de la sécurité nationale. Second guerre a été classifié, infection close. Descendant. 108. Ok. On n'a pas grand chose là. Peut-être la dernière. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'arc 01. Écrit autant qu'information.
Donc c'est ce qu'on avait vu dans le premier épisode. Hein. Donc, ok. On va tout regarder. Is that it, Randolph? Yeah. Where's the rest of the intel file? That's all HQ gave us. You gotta be kidding me. Does it matter? There must be some schematics in these quarters somewhere. No schematics here. Must be someplace else. Donc là, on a fait. No, nothing here. I think I found something. T'as piqué un truc, c'est pas net, hein? No. So where's the power room? Just here. Then we need to go to the filtration tower. That's where we can flush the ventilation system. And this is us, here. I'm not a complete idiot, Danny. Says you. So if I'm reading this right, I need to go back through that door. What do you mean you need to? We're both going. What, you think I need your help to switch on the power? Look, getting the power online is a bit more complex than just flicking a switch, old man. Old man. Ha! And there I was thinking you and me might be friends after all this. I'll get it done. You go get the ventilation fixed. And don't slow us down. We're on a tight schedule. What the hell happened to you two? Randolph! What a guy. What's that noise? Alors d'où il vient le bruit? Parce que c'est pas très très net quand même d'où il vient. Il semblait que c'était des ordi, mais non. Bon. C'est pas l'ordi. Ça a l'air. Ça ressemble à un bruit de talkie-walkie. Ah. There you are. Randolph must have left it here. I better get to the filtration tower. Allez, la tour d'aération. La tour d'aération. Ben, je ne sais pas. Ah ben, c'est par là. En espérant que j'ai pris la bonne porte, ce qui n'est pas gagné. Premier cycle de réparation. Ah bah ça va être là on se retrouve avec elle, donc on revient dans le passé. On n'a pas intérêt à se planter. But how would I know? Where should it be? Check the facility handbook, I guess. Give me a sec. Is there another route to the filtration tower? According to this schematic, well, I think... Okay, I have an idea, but you're not gonna like it. Found it. Now what? You're gonna need to pull that grate off the wall.
You gotta be kidding me. Silas, is this the only way? I'm sorry, yeah, it's the only option. That ventilation shaft should go all the way to the filtration tower. Best day ever. C'est pas sa journée. Ok. Alors, des siècles plus tard. Ok. Alors, lui aussi doit aller à la tour de ventilation. J'arrive de là, hein, il me semble. Hein. Rien faire. Whoa, what the hell? Why are the crowd guys leaking here? Gotta shut it off so I can get past. Ok, donc on doit colmater la fuite. C'est le bordel, quoi. Alors, il faut trouver des trucs. Colmater la fuite. Faudrait-il encore que je trouve des choses, hein? Ici, il n'y a rien. Alors, ça fait quoi? Yes! Bon, jusque là, c'était simple. Ok, on a colmaté la fuite. Okay. C'était plutôt éteindre la fuite, plutôt que colmater. Clavier. Shit, gonna need to find a code for the door. Code pour la porte. Va falloir forcer ce casier. Quand tu le prends, là. Now that's what I call an icebreaker. No harm in trying. Alors. Serial number 01-22-62. Donc le code. Alors en bas ici, on a le code du panneau digital. Donc le code, ça voudrait dire que ça serait le 25-478. Alors. Voilà. Alors, on revient en arrière, on est dans le passé. Silas, you read me? I'm here. The vent is... It didn't lead to the tower. I'm outside. How is that possible? Okay.
It's like you said, the descendants are all that matter. I didn't mean... But they were chosen, right? The ARC program selected the descendants out of everyone alive as humanity's best shot at surviving extinction. And we were chosen, you and me, to protect them, to make sure they survive. If that's what you want to believe. Well, that's what I was told when I signed up for this. That's why I signed up for this. The ARCs, the descendants, the fate of humanity, for God's sake. They need us as much as we need them. Otherwise, it's all for nothing. What if it's all for nothing anyway? The world was dead already and those bastards still blew it up. What do you think is waiting for us, Silas? What's waiting for us? Nothing. If you want something, you work for it, not waiting for it. My God, are you that selfish? That's easy for you to say. Tucked up in that goddamn room. I don't see you putting your life on the line. I just want to live, Silas. Je peux pas passer, hein. That's why I signed up for this. La vache. I don't care about any of it. The world's gone. It can't be fixed. I'm not ready to die. Je suis bloquée. Elle n'a pas beaucoup d'oxygène. Oh la vache. C'est des retours de manette violents, quoi. Évidemment, je peux pas sauter. Je peux pas aller là. Je vais la faire mourir. Je suis bloqué. Elle n'a pas 18 millions d'oxygène. Elle est fermée par un cadenas. Pas courir, hein. Non, elle peut pas, courir. Non. Il y a trop de vent, elle peut pas courir. Michel. Ah!
Y a plus d'oxygène, mine-toi la nouille. Ça promet, ça promet. Je pense qu'on va se retrouver de nos jours. Ouais, voilà, de nos jours. Love what they've done with the place. It's gotta be a control panel somewhere around here. It must be higher up. Ok, donc. J'ai rien. Négatif. Faut que je monte en fait. Ok. Hop, hop. Shit. Gotta get across. Must be a way to cut that down. Okay. It's sharp enough, but it'd take forever to cut through the cables. Il y aurait quelque chose, un chariot. Alors, armoire à outils. Perfect. Alors ne croyez pas que ça va toujours être aussi simple, hein. Ça va se corser au niveau des énigmes, ils sont gentils pour le moment. Hein. Ne croyez pas que à chaque fois ça va être aussi simple. Hein. Alors, soit je coupe le câble vert, soit je coupe le bleu. On va couper celui-là. J'ai tout coupé. Ok, now, how to get across. Est-ce qu'il y aurait un truc qui ferait un passage? Hey my goodness. Ah. You look long enough to bridge that gap. I just hope you're strong enough. Now let's see about getting that ventilation system going. Huh? Right. Still no power. What the hell is Randolph doing? Randolph? You read me? Randolph! There must be a way of contacting Randolph in the power room. Pas en descendre, hein. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Alors, ordinateur. Là, j'ai rien. Power room. Je peux pas. C'est bloqué. Oh, j'avais pas vu le macabé là. J'ai pas 50 solus. C'est redescendre. Je peux pas. Donc c'est la salle en face en fait. J'espère. Oh, damn it. Snake even work. Hello. That you, Donnie? You expecting a call from someone else? It doesn't hurt to hope. You got something useful to tell me? Power's still down. So no then. Any idea how long you need? Honestly, no. I underestimated this big time. Yeah, I mean, how hard could it be figuring out a power system that runs a top secret anti-apocalypse bunker?
shut you up faster, then sure, why not? I think I might know a guy who can help. Vous avez besoin d'instructions pour avancer. Bah oui, mais il ne veut pas m'en donner. Il est nul. Est-ce que je peux redescendre? Non. Still no power. What the hell is Randolph doing? Cadavre? Randolph? You still there? It's not like I've got anywhere better to be. I can guide you through the reboot process. I've got the instructions here. Good. This place is an even worse mess than the janitor quarters. How in the hell did you get instructions for repowering the Ark? You don't want to know. Randolph, before we start, you need to know that this is a delicate operation. You've got to tell me very precisely what we're dealing with. Otherwise, we could end up interrupting whatever's keeping the emergency systems on. You're saying that if we screw up, descendants could die. If anyone still... Yeah. Then you better tell me very precisely how to reboot this damn system. Tell me what you can see. There's some pipes and... Shit. They're cold enough to feel through this suit. Looks like there's something written below them. Got it. Sounds like the coolant system. Ok. Donc le système de refroidissement, donc c'est en haut. Le found it. What does it say below those pipes? Looks like I need to press some buttons in a sequence to reroute the coolant. Sounds right. And there's something handwritten too. It says, initialize, pressure, and test. That mean anything to you? Give me a second to think. Donc 1, 3, 2. Try pressing 1, then 3, then 2. That should do what you need. 1, 3, 2. Okay, hang on. I think that did it. What can you tell me about the next part of this? There's a bunch of switches and some big, I don't know. Donc on a la tuyauterie, hein. What the hell has this got to do with getting the power back online? I'll let you know. It's pipes and switches. Donc on est à la tuyauterie. Must be plumbing. Shit, I don't have much here. What can you see? So there's 4 main pipes. Hang on. It says, to reboot system, disconnect labeled pipe based on current settings. Doesn't sound too bad. What's the setting? There's 4 switches here. I'm guessing they're the setting for this thing. Left to right. They're switched to up, down, up, up. Au bas, bas, haut. Au bas. Oh, merde. Au bas, bas, haut. Au bas. Donnie, you copy? The switches are up, down, up, up. C'est le refoulement. If those instructions are right, then you need to pull out the backflow pipe. If this covers me in shit, I swear to God, Donnie. Okay, I think we're good here. What are you looking at now? A whole mess of cables, all different colors. Okay, give me a sec. Donc on est au câble. Hein? Must be electrical. Looks like you'll need to detach some wires. What can you see? Cinq no. Bleus. Five blue. Three. Oh, two. Cinq bleus, deux jaunes. Cinq bleus, deux jaunes. Putain. Alors, bleu. So it was five blue. Débrancher câble bleu et jaune. Débrancher câble jaune et noir. Câble. Pour démarrer, relevez le nombre et la couleur des câbles configurant l'état et additionnez les valeurs.
5, il m'a dit 5 et 3, alors 5. So it was 5 blue and 2 yellow wires. You got that? C'était 7, 14. Oh putain, je sais plus. Pas du tout. Écoutez, on va essayer bleu et jaune. Il me stresse, le jeune homme. And 2 yellow wires. You got that? See the blue and yellow wires? Detach them all. Nothing. Nothing. Non, c'était pas ça. You sure you got the right instructions? Nothing happened. I'll reconnect these. Now listen, really listen. I've got 5 blue and 2 yellow wires. 5 bleus et 2 jaunes. What do I need to do? Donc so it was 5 blue. Ouais, il stresse. Yellow wires. You got 5 bleu, 5 bleu. 0,25 et 0,25. 1,50. Ouais, c'est pas ça du tout. Alors 0,25. So it was 5 blue and 2 yellow wires. 0,25 et 0,25, ça fait 0,50. Ça fait 1. Ouais, je vais mettre bleu et jaune. Mais je l'ai mis, c'est pas ça. And 2 yellow wires. You got that? Oh, vas-y, fais ça. Oh, ok. I think you need to detach all the red and blue wires. Red and blue. Ok. Je fais au pif, hein, je vous le dis cash. C'est pas ça. And there goes nothing again, for God's sake. Screw it. Randolph, stop. You're going to damage the system. Randolph. Oh, merde. Randolph. There. Done. Ah, ben voilà. Next. Jesus. What? The power's spiking. There's a cable here buzzing. Looks like sparks are coming off it. You see anything about power surges? These hazmat suits are shockproof, right? Let's hope you don't need to find out. Hold on a second. Donc on va à la mise à terre. What do I do with this cable? It sounds like it's gonna blow. Ah! Contactez quoi? Prenez le câble à 32 doit être branché, rebranché, j'ai 36. X! Randolph, grab the cable fast. Pull it out of the socket it's in. Merde, c'était le A32. Je vais le tuer. Donnie, hurry up. This thing's gonna... Ah! Oh, wait. These instructions said not to hold the cable. You okay? What does it sound like to you? Thank God that wasn't plugged into the wrong socket, at least. Actually, all the power levels look fine now. See if you can find a lever. Pulling that should complete the process and reboot the power system. Je l'ai tué tout, c'est un peu. Right about this. We're running out of time. J'espère que je vais pas le faire. Électrocuté? That's a good sound, right? Il peut s'inquiéter, ouais, c'est clair. Oh my god. Dans le premier épisode, j'ai tué 5 survivants. Et là, j'ai failli le faire électrocuter. Mon dieu. Bon, en même temps, je l'aime pas, hein, donc à la limite qu'il meurt, me gênera pas. On a pu remarquer qu'il a volé un truc quand même. Hein. Ah ouais, mais ça va. Ah oui, mais mes mauvaises actions là, c'est vrai, elles ont des répercussions sur les. Ils vont me buter combien de survivants encore? Aïe. J'ai fait que des boulettes donc. Ouais, la vache, j'ai chaud. Il m'a stressé, lui. Well, better late than never. Not bad, old man. Let's not bust out the cigars just yet. And watch who you're calling old.
More knows the devil for being old than for being the devil. You got what you need over there? Yeah, power's back up. I should be able to flush the ventilation system now. Good. Tell me when you have, then I can get out of this damn suit. I've needed to scratch my nose since we got here. I'll meet you back at the janitor's quarters when I'm done here. Got it. And Randolph? Yeah? Just watch yourself. Something about all this really isn't right. C'est clair qu'il y a un truc qui est pas rond. Maintenant, va falloir donc que moi, à nouveau, je purge ce bordel. Fans are offline. Gotta get up top and see what the problem is. Il faut que je monte pour identifier le problème. Vous êtes mal barrés, les survivants, avec moi, hein, je vous le dis. Hein. Had to be all the way up there, didn't it? Ok. Est-ce que je peux passer là? Non. Faut que je monte. Je peux pas aller là-bas. J'ai juste un escalier. Si je clique sur le truc, là. Fans are offline. Gotta get up top and see what the problem is. Okay, faut que je monte. Là, je peux descendre? Non. En même temps, il n'y a pas 50 solus, hein. Montez. Allez, monte charge. Là, Lycos. Ici. Voilà. Ben. La commande ne fonctionne pas, putain. Alors, faut que je trouve un truc. Ouais. Ce jeu est un enfer! Une vieille radio en état de marche. Nickel, Chrome, prends ça. Ça marche? Je vois pas ce que ça viendrait foutre là. Non. Faut que je trouve un truc. En fait, pour réactiver. Tournevis. Allez, Chirel va bricoler. Planquez-vous. Je suis pas la reine du bricot. Le fusible est grillé, putain. Ah, alors, faut que je trouve un fusible. Est-ce que la radio là, va me donner quelque chose, hein, normalement? Peut-être. Encore faut-il se positionner où il faut. Voilà. Panneau. Ah, fusible, nickel. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hop, monte charge. Le fusible. Allez. Ok, donc je suis tout en haut ou pas du tout? Oui, non. Apparemment, faut que je monte l'échelle. Ok. Donc là, je suis tout en haut. On n'y voit pas très bien. Hein. Je sais pas vous comment vous y voyez. J'espère que c'est assez net. Mais je peux pas monter les gammas, rien du tout. Donc, c'est pas par là. Non. Non, it's not by here. Là, il n'y a rien. Monter tout en haut. Ben, j'y suis là-haut. Hein. Je peux pas aller plus. Hein. Là, il y a l'échelle. Hein. Ah, putain. Réchiffli. Là. Hop. Continue. Ah, échelle. Tout en haut encore. Oh! Va falloir que je redescende après. Je suis encore foutu de me perdre. Vous me connaissez pour ça. Alors, commande de ventilation, ordinateur. Gotta get the intake fan working first if I'm gonna flush the ventilation system. Ok, donc mettre en marche d'abord la ventilation. Ici. Non. Décale-toi un peu, Lycos. Ici. Le VIA, le bébé. The levers are locked. I need to unlock them. Ça aurait été trop beau
Looks like I need to find a key. But of course I need to find a damn key. Oh, putain, faut que je trouve une clé. Une clé. Oh, ça va, c'est facile à trouver. Là. Ils sont gentils au début. Hein. Voilà. Après, ça aide beaucoup moins, hélas. X. Donc la clé. Et là, j'ai actionné le mauvais levier et tout me pète à la poire. Non, c'est bon. Lot. Huh? Something must be blocking the fan. Oh merde. Better check it out. Mais bien sûr, on va monter au ventilo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait mon métier. Je suis habituée à ça. Il faut spammer là, d'accord. Je pense que le but est de le remettre en marche, hein, mais c'est pas en faisant un... Faut que j'attende le bon moment. Ou avant. Ah, c'est la merde. Faut vraiment attendre le bon moment. Hein. Trop tôt. Trop tôt. On y croit. Il se fait aspirer, ce couillon. Mais quelle idée! Tu te fous devant un truc de ventilation, évidemment que t'as aspiré, quoi. Et ça va se corser, et se corser, et se corser. Bon, on a réussi à remettre l'oxygène. Tout va bien. C'est déjà une bonne chose. Du moins dans le présent, dans le passé, c'est pas encore fait. Hein. Good to hear your voice, HQ. Ah, about goddamn time. You with Jefferson? Yeah, Randolph, he's around. Good. Freeman, you are to turn back from this damn crusade you and Jefferson are on. You hear me? What? Oh, I don't know what Randolph said to make you go to Arco-1, Freeman. If you turn back now, there'll be no repercussions. But you mark my words, if you even set foot in the Ark... You what? Entering Arc-01 would be considered treason, Freeman. Do you understand? So I guess it's safe to say Randolph's not acting on your orders. What do you think? I should have known. That explains a lot. Now listen, you come back to base. We'll deal with Jefferson. And maybe we'll see if we can make life a bit more comfortable for you, Freeman. What's so special about Arco-1? You're on thin ice here, kid. Because whatever it is, you sure as hell want to make sure it stays buried here, don't you? You're already there, aren't you? I couldn't care less about your goddamn secrets. I'm here to get any survivors out, and that's it. And if that makes me a traitor, then so be it. You listen to me! Go fuck yourself. Boom. Prends-toi ça dans les dents. Oh, goddammit! Donc, l'autre, en fait, on ne sait pas qui est Randolph. Pour qui il est... Il ne travaille pas pour le QG. Donc, c'est qui? On a vu qu'il a volé un film ici, là. Discrètement. Deux jours plus tard. Now we weren't the search team that I thought we were.
That some other piece of shit was just using me for their personal gain. Ils l'ont bien manché quand Again. Même. Again. Well, I figured it was about time me and the senator had a little chat. Ils l'ont bien amoché. Ils ont mis la tête. So I went to find that son of a bitch. What's the situation on your end? Huh? Alors, où tu es? I can barely hear you. Are you? No. No, that's good. Espèce de traître, t'es où? We managed to restore the power, but this place is a fucking maze. Noah, just stop. Je vais te trouver. Je vais te trouver. No, I lost the radio. I must have left it outside. C'est vrai, labyrinthe, ce bordel, hein? What did you find out? Donc on arrive par là. Je suis parti par la gauche. C'est la droite. Si. Continue à parler. It isn't easy for me either. Just please. Please trust me that I'll find him. Mais à qui il parle? It doesn't matter, whatever it takes. That's how it's always been. Il complote avec qui, en fait, ce mec-là? C'est quand même un sénateur? Une histoire politique là-dessous? Ce gros bordel, hein? Ok. Donc on est revenu avec elle. Gotta figure out how to restart the filtration system fast. Ok. Donc comme avec l'autre, hop. Something's broken on the next level down. Au niveau inférieur. Ce coup-ci, niveau inférieur. Hop, on va descendre. Et on doit se manier la nouille, parce qu'effectivement, plus on fait de bêtises, plus on prend de temps, plus il y a des morts, et plus on va avoir des survivants butés. Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Niveau inférieur. Pourtant, je suis descendue. Je peux monter là? Si tu peux. Non? Oui, par là. Les angles de vue sont un petit peu chiants, je dirais. Faut arriver à suivre. Panneau. Shit. It looks like it's melted and fused together. Okay. Think. Gotta replace this whole thing. Looks like I need. A pump section. Une pompe. Some piping. De tuyaux. Some electrical wire. Câble électrique. Where this component is. Better see what I can find in this tower. Pompe, tuyaux et une pièce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Alors, ici on a quoi? On a une pièce. Une pompe. C'est bon. Good. You look like the right kind of pump. On est speedé par le temps. Hop, ici. Okay, that's some of what I need. I still need a replacement for some piping. Et tuyaux. And some electrical wires and that component they attach to. Mm-hmm. Les angles de vue sont un petit peu, je vous l'accorde, très mortels, hein, même pour moi. Là, je peux rien faire. Donc, c'est en bas. Hein. Pas à chier. J'ai raté quelque chose. La zone d'assemblage, là, j'ai pas compris. Ok, that's some of what I need. C'est une partie de ce qu'il te faut. Need a replacement for some piping. Des tuyaux. And some electrical wires. Câble électrique. Ok, tuyaux, câble électrique. Tuyaux, câble électrique. Mal barré, je suis très très mal barré. Est-ce que je peux pas monter? Peut-être à l'étage supérieur, trouver des tuyaux, câbles électriques, peut-être.
Composants électriques. Il manque les câbles. Electrical wires and whatever this is. The serial matches the burnt-out one, at least. Il manque des tuyaux pourtant encore, il me semble. On va redescendre. Fouiller là, mais je pense pas. Les pièces, tuyaux. This looks like more piping than I'll need. Better take it all. Okay, donc that's là. Everything. I should go put all this crap together. Okay, donc là on redescend. Jusqu'à là, pas de problème. Encore faut-il que je prenne la bonne échelle. Échelle. S'il te plaît. Les angles de vue sont assez mortels, hein, quand même. Hein. Le changement de caméra, là. Ok, donc reconstitution de l'objet niqué. Façon Shiren. Hein. Faudrait-il... Comme d'hab, que je me retrouve, en fait. Voilà. Donc, zone d'assemblage, ici. Ok, je pense que c'est tout. Maintenant, je dois juste trouver comment mettre tout ça ensemble. Donc, c'est moi qui vais devoir faire. C'est une blague. Pompe avec. Ça, c'est quoi? Composant électrique et le tuyau. Donc, en fait, il faut que je recompose. Là, je peux rien faire. Hein. Il faut que je recompose cette bête-là. Donc, le tuyau ici. D'accord, tout est pété. Tout va bien. Génial. Donc, soyons logiques, hein, ce qui n'est pas du tout mon cas. Si je prends le tuyau court, excusez mon chat qui a décidé de causer. Ah, je dois le mettre sur celui-là? Non, pas possible. Tuyau centré. Capteur. Ça. La pompe. Je valide avec quoi là? C'est le bordel ce truc. Commande. Pince. Est-ce qu'il faut que je coupe quelque chose? Au secours! Oh. Je reconstitue le bordel. Moi, je veux bien. Tuyau long. Ça. Ça reste pas, c'est ça le problème. On peut y passer 2 heures hein, comme ça. Hein, je vous le dis, moi. Tuyau court. Est-ce qu'il faut que je garde appuyé? Non, c'est pas dit. Putain. Tuyau centré. Ça dit de le mettre là, mais enfin, que ça correspond à ça. Capteur. D'accord. Ensuite, ça. La pompe. Ok. Ça. Arrête de râler, India. Non. Ok. Ça mettrait là. Il me resterait les fils. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai plus que 2 objets. Mais c'est que ce bordel, hein.
pince. Tu pouvais pas dire qu'il fallait casser les câbles. Câble. Boîtier de commande. Voilà. Et ça. Ok. Wow, je m'épate. Je m'épate toute seule. Ok, donc on a ça maintenant. C'est pas là. Il fallait que je recompose ça, mais je le prends pas. Ah, je l'ai pris avec moi, d'accord. Ok, donc il faut que je remonte, hein, c'est ça? Que je redescende, je sais plus. Que je remonte, en fait. Hop. Ok. Et il faut qu'on répare ça? Something's broken on the next level down. Ah non, c'est au niveau inférieur. Vive la mémoire de Poisson Rouge à Chirel. Redescends, Pépette, je suis navrée. Un petit peu de gym. Hein. Un petit peu de gym te fera pas de mal. Donc c'est un bac, il faut que je répare. Il faut que je répare quoi déjà? Je ne sais plus. Je l'ai oublié. Donc c'est pas ça. Là, j'ai mon truc sur moi. Ah oui, il faut que je monte là. Voilà. Et là, c'est le problème de la cam. Hop. Monte, monte, monte. Voilà. God, I hope this works. Moi aussi. Come on, you bastard. Je croise les doigts pour que ça marche. Ok. Et je fais tout péter. Un X. Work, you piece of shit. Casse-toi. Pars-toi. Si elle n'a pas les reins fracturés, la colonne vertébrale aussi, je me pends quand même. Hein. Parce que là, la chute, ça a été dur, dur. Hein. Tu es en vie? Oui, tu es en vie. Tu es dans un sale état, mais tu es en vie. Tu es peut-être morte, tout compte fait. Je sais pas. Réa? Réa, c'est son nom. Réa réagit quoi en fait. Réa réagit. Ok, on est dans la merde. You did good. How in the hell you managed to get into the command room to deal with the outer gate over here? Yeah. Freeman got us past the inner gate. Non mais qui tu parles toi, t'es traître, hein? No, he still doesn't know anything. He seems an okay guy, pretty shut off, but no. Non, on sait pas lui du tout avec qui il parle, hein. Mais ça a l'air d'être un traître. Either way, once Danny served his purpose, he's expendable. Tu vas t'expliquer avec moi, je te dis. Shit! What? No, there's no reason to bring him in on this. It's not like he has anything to offer us. The two janitor cryo tanks were empty. What others? Je vais lui mettre une patate. No, only two janitors got in before everything kicked off. I know. Yeah, they must be dead. It's fine. Saved me having to take her out myself. Putain, mais c'est qui lui? What's that noise? That noise? What's going on over there? I can't hear you. Slow down. What do you mean they know? I thought we had a few more hours before they found out. Oh well. I guess you served your purpose too.
Quel bip! Quel bip! Mais je voulais le faire moi! Bah non, c'est pas marrant, il l'a fait tout seul. J'aurais pris plaisir à appuyer sur la touche pour lui mettre le coup de poing, mais non, il l'a fait tout seul. Il a eu la même idée que moi en fait. Alors, par rapport à ce qu'on a fait, dites-moi qu'on n'a pas tué encore des survivants. Pitié. Production. Tatatoum. 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 Archevêque opérationnel. Lancement de l'analyse système. Séquence de remise sous tension détectée. Sous-système analysé. Dis-moi que j'ai tué personne. Alors. Réfrigérant. Ah oui, mais je me suis plantée plusieurs fois, j'ai fait du pif. Donc on a réussi à remettre le système de réfrigérant. Réussi la tuyauterie. On a. Il n'a pas réussi ce couillon à remettre les câbles électriques. Oh, il va nous buter des survivants. Et on a réussi par contre la mise à la terre. Je sais plus combien on en a tué dans l'épisode 9. Ils vont me tuer 9 de plus? Non. Pour une toute petite erreur? Calcul. Exécution des diagnostics descendants hors ligne. Neutralisation descendant. Neutralisation 9 descendant. Non. Next time, I'm a descendant. Oh my god. What? Not all of the descendants made it. Leave me alone! Who are we speaking to? Another means to an end. I don't know how you got in here. But you're not here to help the descendants. That much is clear. Ok, donc ça c'est ce qui va se passer dans le chapitre 3. Donc on a fini le chapitre 2. Vous voyez, les énigmes petit à petit montent crescendo en difficulté. Bon, pour l'avoir fini, il y a 5 chapitres. Donc évidemment, ça va être de plus en plus compliqué au niveau des actions qu'on a à faire. Chaque mauvaise action qu'on fait entraîne que les machines et ce complot un petit peu qu'il y a, chaque erreur qu'on fait, il tue des survivants. Donc évidemment, le but est de ne pas faire d'erreur, mais avec moi, l'erreur est de mise. Hein. Vous savez que quand il y a une boulette à faire, je la fais. Surtout qu'on va commencer, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai déjà fait le jeu, mais voilà, j'ai même fait appel à un ami pour m'aider à... Vous savez, comme à la télé, là, j'appelle un ami, c'est le jeu du million, j'appelle un ami voilà, pour comprendre ce qu'il fallait faire tellement c'était corsé pour pouvoir finir le jeu. Donc, et je suis incapable de vous dire aujourd'hui comment je l'ai fini, puisque c'était tellement corsé, il m'a dirigé, mais j'ai plus du tout en tête le jeu. Hein. Vous connaissez ma mémoire de poisson rouge, d'autant plus que j'ai pas mis les mêmes réponses et je n'ai pas fait les mêmes actions que dans ma partie. Donc automatiquement, je n'ai pas la même chose. Donc ça va être compliqué. Mais je pense qu'au niveau des actes à faire et des énigmes qu'on a à faire, on va les retrouver. Donc ça va être compliqué. On verra ça. Donc là, on a fini l'épisode 2. Vous avez vu, il est un petit peu plus long que l'épisode 1 qui était, on dira, un prologue. Et donc il nous reste encore 3 épisodes. Le troisième va être le suivant qu'on fera je ne sais pas quand sur YouTube. Donc voilà, on sera à l'épisode 3. Là, on a fini l'épisode 2. Je ne me rappelle pas de mémoire, je ne me rappelle pas du tout avec tous les jeux que j'ai et que je vous fais ce qui se passe dans l'épisode 3. En tout cas, je me rappelle en gros toute l'histoire et je peux vous dire que une fois de plus, on se retrouve dans un jeu où on nous montre que les plus hauts gradés nous cachent toujours des choses et qu'on n'est tout jamais au courant de la réalité de ce qui se passe. Et là, donc, on était avec quelqu'un de haut gradé qui apparemment ne marchait pas avec le QG. Et on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui, sans compter que de l'autre côté, dans le passé, entre le gars et la fille,
Ça n'a pas l'air très clair non plus, quoi. Lui, il n'a pas l'air très clair. Hein. Il lui fait faire tous les dangers à elle, ce qu'elle ne comprend pas. Mais écoutez, on verra ça dans l'épisode 3. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 3 de The Descendant. Bye bye!